Et voilà, enfin j'ai reçu mon petit plaisir, on va dire. Ça fait un an que j'attendais pour pouvoir me le payer. J'ai travaillé dur en fin d'année, j'ai fait des heures supplémentaires, bien comme il fallait. J'ai mis de l'argent de côté et enfin j'ai pu me payer mon rack V70 de chez Alurac. Donc j'ai pas trop de place dans mon garage parce qu'il y a pas mal de bordel. Donc je vais l'ouvrir tranquillement. À moitié en extérieur et sous la pluie, hein, forcément. Et voilà quoi, j'ai eu un. Je suis passé par monsieur Boamaniacs, hein, sur Facebook. C'est lui le représentant officiel pour la France de la marque. Et tout s'est vachement bien passé en fait. Parce que leur site, malheureusement, c'est soit en anglais, soit en néerlandais. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Et le hollandais, je ne le parle pas des masses. L'anglais, un peu plus, mais bon. Voilà, donc c'est parti pour. Atelier découpe. Ah, il y a les pompiers en haut. On peut constater que l'emballage, c'est pas un emballage de merde. Hein. Alors vraiment, tout est bien. On voit, il y a des coins partout. Là, je vois qu'il y a des. Pour séparer, il y a encore des trucs de bois. Voilà. Des petits bacs. Voilà. Là, on peut constater que j'ai pris le modèle avec les trous de ventilation parce qu'il y a deux modèles, enfin il y a plus que deux modèles, mais il y a le modèle avec ventilation et le modèle sans les ventilations. Et c'est quand même plus important quand même les ventilations. À savoir que dans ces racks, le chauffage est dedans aussi. Il y a deux styles de chauffage, il y a des grands et des petits. Et tant qu'à faire, j'ai pris les grands pour être tranquille. Voilà. Et normalement, ça va vite à monter. Tiens, fils. Voilà. Alors, on commence, tout simplement. Alors, il n'y a plus trop de place dans ma petite pièce. Hein. Bon. Enfin, bref. Là, j'ai pris ces surroulettes. Ici, c'est le système de tapis chauffant. Hein. Donc, c'est même bien protégé quand même. Hein. Par un petit comment s'appelle un film plastique, donc juste pour voir, je vais le faire vite fait. On va essayer de monter déjà un petit étage. Donc comme on peut voir là par exemple, tout est avec des petits bouts d'alu, enfin je sais pas comment on va appeler ça, des entretoises. Voilà, hop hop, les roulettes. Ben, il y en a deux qui sont avec, ben, j'ai bien fait de regarder, qui sont avec des freins. Donc autant les mettre tout de suite dans le bon sens. Hein. Les freins. Hop. Hop, hop. On va faire le test. Donc le cuisse là. Ok. On va mettre ça comme ça. Hop, hop. Fils, Yes. viens donc m'aider là pour ton côté. Voilà. C'est bon? Ouais. Et voilà. Donc, même pas besoin d'appuyer dessus. Ça rentre tout seul. Je vais chercher un C'est match. comme papa dans maman. Petite dédicace à mon prof de mécanique à l'époque. Ah. C'était sa petite expression favorite. Hop. Hop, voilà, merci. Hop, et on force même pas. Et ça rentre tout seul. Ah non. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Donc j'ai pris les larges, les tapis larges. Voilà. Je vais pas vous faire tout le montage. Allez, j'en refais un seul des petits étages. Parce que je pense que. On s'en bat un peu les. De voir tout. Ce qui compte, c'est le résultat final. En plus, ce qui est bien avec le rack là, c'est qu'il est compatible, vu qu'on peut toujours rajouter des étages et tout ça, et on peut mettre même des bacs plus petits.
style, à place d'en avoir deux, ben, on peut en mettre quatre, je crois, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un truc, c'est vachement bien foutu. Voilà, c'est quand même, je trouve que c'est, quand on veut beaucoup, c'est quand même mieux que niveau tarif, que quoi, le HP Tera. Enfin, ça, c'est ce que je trouve, parce que les racks HTP, les racks HTP Tera, en fait, j'ai eu du mal. Hein. Je trouve que ça fait plus bah, Tera que rack, même si, bah, voilà quoi. Par contre, ils sont pas donnés. Ils sont vraiment pas donnés du tout, quoi, alors, les HP Tera. Bon, allez, hop, tiens, encore deux. Et c'est fini. Ben voilà, y est, c'est fait. On a mis quoi? À peu près une demi-heure pour tout monter, les câbles, enfin les tapis chauffants et tout, tous les bacs. Et ben voici le résultat. Donc on peut voir, hein. Ah, il y a de la longueur quand même dans les bacs. Ça va, tranquille. Il n'y a plus que à mettre toutes mes petites bébêtes dedans. Enfin, toutes. Mettre mes réjus dedans. Puis voilà quoi, ça va être que du bonheur, je le sens. Hein, je suis vraiment très très content d'avoir investi là-dedans. Voilà tout. Maintenant, il faudra juste bien bien aménager ça. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je suis content. Et on verra pour les prochaines fois. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que si je redémonte, je peux encore en rajouter au-dessus. Quand tu me diras, j'ai plus des masses de place hein, pour en rajouter au-dessus. Mais ça se vend aussi étage par étage. Voilà, à l'Urac, ça a l'air de c'est. Moi, je ne l'ai pas encore vraiment testé, mais rien que comme ça, c'est vraiment, ça a l'air vraiment d'être un super produit. Et voilà. Donc, un petit pouce bleu, ça serait sympathique. Et puis, ben voilà. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi, je vous dis ciao, à la revoyure.